Gérard Oury, entouré de ses acteurs fétiches, De Funès, Bourvil, Montand, Belmondo, et aux côtés de sa fille aussi, Danielle Thompson, qui est avec nous en plateau. Bonjour Danielle Thompson. Bonjour. Très heureuse de vous accueillir pour parler de votre livre, Gérard Oury, Mon père, l'as des as, avec Jean-Pierre Lavoignat. C'est sur la vie de votre père et aussi sur un pan du cinéma français, et pas des moindres, hein, les plus grands succès du cinéma français. Tout ça est très entremêlé dans ce livre. Finalement, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre et surtout pourquoi maintenant ? Alors maintenant d'abord parce que c'est le 100e anniversaire de sa naissance, donc le 29 avril 1919. Et voilà, vous avez prononcé le mot entremêtré. C'est un petit peu le but de ce livre, c'est de mélanger... la vie privée, l'histoire père-fille, les coulisses des films, les histoires un peu cachées de sa vie, qui sont intéressantes et même très passionnantes parfois. Et tout à coup, je me suis dit, oui, c'est probablement le bon moment, parce que les films sont toujours extrêmement... adorés par le public, ils les connaissent par cœur, ils sont presque devenus des co-auteurs des films tellement ils les connaissent par cœur, des répliques, ils participent bien sûr quand ils les revoient à la télévision ou par bonheur de temps en temps sur un grand écran quand ils ressortent en salle ou dans les festivals. Donc ces films font partie de la vie des Français et ça continue avec les générations qui viennent. Et je trouvais que c'était très intéressant de leur raconter un petit peu ce qui se passait derrière. Et vous leur ouvrez comme ça les archives familiales. C'est un livre qui est riche, je vous l'avais dit, de très beaux textes, mais aussi de photos, de témoignages. Il y a aussi des extraits de scénarios. Vous êtes très bien placée pour en parler, puisque vous êtes sa fille, mais vous avez été aussi pendant 20 ans sa co-scénariste. Quelle était la force de votre duo d'écriture ? Ben, on s'entendait bien déjà, et puis je crois que c'est vrai qu'on était beaucoup complémentaires et qu'on avait le même humour. Vous savez, que ce soit lui ou un autre, quand on est scénariste, il faut se mettre au service d'un metteur en scène, faire le film qu'il a envie de faire, se fondre dans son univers. Et l'univers de mon père, c'était un univers extrêmement... joyeux et très 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 conscient enfin je dirais pénétré de l'envie de faire rire le public. Et ça, c'est une chose qui a été un bonheur pour moi d'apprendre ce métier déjà avec lui, et puis d'apprendre l'exigence, parce que c'était quelqu'un de très exigeant, de très perfectionniste, de très très obsédé, je dirais même, par son travail. Tout ça, je le raconte évidemment dans le livre. Et voilà, je pense que ça a été un tandem, en dehors de ceux qu'il a formés avec ses comédiens, ça a été un bon tandem que le nôtre. Et cela a donné La Grande Vadrouille en 66, La Folie des Grandeurs, aussi Des Aventures de Rabbi Jacob. Ce sont, vous l'avez dit, des millions de téléspectateurs, je crois 17 millions pour La Grande Vadrouille. Est-ce qu'il gérait bien cet immense succès, Gérard Oury ? C'est quelqu'un qui a été... tellement heureux du succès. Vous savez, il y a des gens que ça déboussole complètement et qui ne savent plus très bien quoi faire et qui vivent finalement cette espèce de traumatisme, parce que c'est un traumatisme, le succès. On est tout à coup transporté vers d'autres choses, vers toute une dynamique qui peut être aussi très très compliquée à vivre. Et je dois dire que c'est un homme qui était doué pour le succès aussi, parce que ça l'a rendu incroyablement heureux, et ça n'a pas empêché, ça je le raconte aussi, l'angoisse de la suite, l'angoisse de ne pas être sûr de continuer à pouvoir faire rire et de se remettre en question à chaque film. Tout ça, c'était présent aussi, bien sûr. Mais toujours cette capacité à se renouveler. Et vous l'avez dit, un rapport avec ces acteurs qui était très, très, très intense et très fort dans Les Aventures de Rabbi Jacob en 1973. Et évidemment, on ne peut pas ne pas regarder quelques images. Regardez. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni assurance, ni vignette. Comment vous appelez-vous ? Victor Pivert, comme l'oiseau. Comment là ? C'est de l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. «
Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif. Parce qu'hier, je ne l'étais pas. Voilà. Ce sont des films qu'on adore voir et revoir. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ces films intacts encore aujourd'hui ? Ils sont magnifiques. Ils sont très drôles. Ce sont aussi des films d'aventure. Ce sont des films qui sont très, très, très joliment mis en scène. Je lui tire mon chapeau parce que je trouve que c'est un metteur en scène d'une grande élégance, d'une grande fluidité. C'est quelque chose qui compte dans la pérennité des films, parce que ça ne vieillissent pas, parce qu'ils sont vraiment très bien faits. Il avait un grand, grand souci de l'esthétique de ces films, ce qui était finalement, surtout à l'époque, très rare par rapport aux comédies, parce qu'on faisait des petites comédies en vitesse, un petit peu comme ça, à l'économie, et ça pouvait être très, très drôle et très réussi. Mais ça n'était que des films comiques, ça n'était pas autre chose. Les films de mon père, ce sont des grands films, des grands spectacles, avec des décors magnifiques, des images superbes, extrêmement soignées, avec des grands chefs opérateurs de l'époque. Les musiques aussi, on a entendu celle de Vladimir Kosma, qui est magnifique. Vladimir Kosma, on est allé le rencontrer pour avoir quelques informations supplémentaires sur votre père et sur leur collaboration. Écoutez-le. Le fil rouge de cette collaboration était toujours quelque chose qui parlait d'humanité, de sentiments, de choses qui sont très rares de la part d'un metteur en scène. C'était quelqu'un qui avait une très grande culture dans tous les domaines, et il savait apprécier le beau et ce qu'il lui fallait pour sa musique. Il me parlait en termes de beauté, de grâce, de sentiment, vous voyez, plutôt que de minutage ou technique ou choses comme ça. Oui, c'est vrai aussi que c'était quelqu'un de très cultivé. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui adorait l'histoire, qui était très attaché, en effet, aussi à travers ses films comiques de la dimension sociale de ces personnages et de ces différences d'ailleurs. Il y a toujours l'homme de pouvoir ou l'homme riche qui est d'ailleurs souvent incarné par De Funès, et puis le français moyen, l'homme plus naïf et plus sympathique et à la fois pas aussi bête qu'on le croit. Donc c'était très très intéressant d'aller creuser dans des sillons, puis ensuite bien sûr des vrais sujets vraiment aussi très 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 graves, comme la tolérance, la guerre, le terrorisme d'ailleurs dans Rabbi Jacob, évidemment les communautés religieuses, l'intolérance, enfin tous ces sujets-là qu'il a adoré traiter et qui étaient toujours sur le fil du rasoir. Les souvenirs d'écriture des scénarios sont des grands souvenirs bien sûr de rire, mais aussi beaucoup d'angoisse et de questions qu'on se posait sur est-ce qu'on peut aller jusque-là, est-ce qu'on peut dire ça, même parce que ces films qui ont l'air comme ça sous une apparence naïve, elles touchent à des sujets extrêmement profonds. Exactement. Et ce livre, en fait, c'est un hommage, une déclaration d'amour, mais c'est aussi, semble-t-il, un portrait en creux de vous, Daniel Thompson. Vous avez fait du cinéma votre métier, vous aussi, scénariste avec Gérard Oury d'abord, puis ensuite scénariste sans Gérard Oury, et puis la réalisation de vos propres films. Vos films, en fait, ils explorent des registres qui sont très divers, avec, semble-t-il, quand même en filigrane toujours cette importance qui est accordée aux liens familiaux, aux liens humains. Est-ce que pour vous, c'est ce qui est le plus important finalement dans la vie, ou en tout cas dans le cinéma que vous faites? C'est une source d'inspiration inépuisable. Je pense pas d'ailleurs du tout que je suis la seule. Je pense que vous savez, quand on regarde les tragédies grecques ou même les pièces de Molière, je veux dire, on raconte des histoires de rapports dans les familles, de générations confondues, et c'est vrai que c'est un vivier absolument magnifique. Donc moi, mon père faisait des films comiques. Moi, je ne pense pas que je serais capable de tourner des films aussi dans une dynamique de comique pure. Je suis plus dans la comédie, c'est un petit peu différent quand même.
Et donc, on est plus dans, effectivement, les personnages, la psychologie des personnages. Est-ce que vous trouvez que les choses évoluent aujourd'hui positivement sur la place de la femme dans le cinéma français? Ah oui, bien sûr. Il y a encore du boulot, mais c'est très, très, très... Il y a un vrai changement dans le bon sens. Il y a énormément maintenant de réalisatrices. Je pense qu'on est en train tout doucement d'y arriver. On n'est plus complètement dans l'exception. Et pour finir cette émission, on vous a demandé de venir accompagné d'une recommandation culturelle et vous avez suggéré le film de Almodovar, Douleur et gloire. Alors pourquoi ce choix ? Parce que je viens de voir le film que je trouve absolument magnifique. D'abord, j'adore tous les films d'Almodovar que j'ai tous vus. Ça touche bien sûr justement à la difficulté de ce métier quand même, de ce que c'est que l'inspiration, du fait que n'importe qui peut être touché par la dépression, par la remise en question justement du passé, de tout ce qu'on a vécu. Je trouve le film absolument remarquable. Je trouve la construction scénaristique du film absolument magnifique. Merci beaucoup, Daniel Thompson, d'être venu nous parler de ce très beau livre, Gérard Houry, mon père, l'as des as, donc à s'offrir pour soi ou alors à offrir aussi aux gens qu'on aime, parce qu'effectivement, votre dédicace au début du film, c'est à tous ceux que j'aime. Il y a beaucoup d'amour, la relation à la paternité aussi dans ce livre. On se quitte avec des images du film que vous nous recommandez, Douleur et gloire, qui lui aussi parle de ce processus de création et de ses beautés. À très bientôt. Tú eres muy novelero. No voy a permitir que me humilles otra vez. Tu tiempo, cabrón, ven aquí. Sí. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida. Estoy con Salvador Mayor. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. Real.